Salut à tous, alors aujourd'hui je vais plutôt essayer le code Skyfall, c'est-à-dire vous êtes tout en haut de la map, au maximum qu'on puisse aller. Alors je pense m'acheter quand même un parachute. Voilà, je vais prendre un parachute de secours. Oui, c'est bon. Je vais mettre cette fumée là. Et voilà. J'y vais. Alors, je vais. Par contre, le code, il est un peu long. Mais c'est pas le plus long. Sur PS2, c'était bon. Sur San Andreas. Par rapport à San Andreas, ils sont tout petits. Voilà. J'aurais voulu, y a pas de parachute. D'accord, pour Skyfall on n'a pas le droit au parachute. Ah ouais, c'est bien fait quand même. Ah ouais. Bon, je vais atterrir dans l'eau quand même. Attention. Oh, c'était chaud ça. Non, je pensais que ce serait un peu plus rigolo que ça quand même. Et mon parachute a disparu, d'accord. Pour le code Skyfall, on n'a vraiment pas le gros parachute. Super. Ça va, c'est que 100$, c'est pas la mort. Bon, alors là, franchement, je suis vraiment déçu. Ah, je connais un autre code qui pourra faire vraiment durer le plaisir. Alors, c'est parti. Je vais mettre d'abord le code que je voulais. Voilà, c'est fait. Maintenant, le code. Voilà, ça va faire durer le plaisir. J'ai mis gravité lunaire. Bon, bon. En fait, le code Skyfall, il annule tout. C'est hyper dangereux de faire ça. Je me suis éclaté. Ouais, mais c'est vrai que quand vous faites un saut en parachute et là, quand vous mettez le code Skyfall, c'est beaucoup plus dur à contrôler quand vous mettez le code. Franchement, je m'attendais à ce que ça aille plus haut parce qu'en fait, je l'avais jamais testé auparavant, ce code. N'oubliez pas, bien sûr, de sauvegarder avant de jouer, de mettre le code et de quitter la partie sans sauvegarder. Parce que si vous sauvegardez avec un code, bah après vous pourrez plus l'enlever. Get the fuck out of here. Je vais. Alors là, du coup, je l'ai toujours par le parachute. Les salauds, faut que je rachète un. Alors, où est le stand le plus proche? Où est celui-là? Alors, ce que je vais tenter, je vais regarder si la chute. On va comparer avec la chute libre en hélicoptère. Il est pas mal ce code 4. À la chute libre du code. Il est amélioré. C'est quoi ce code 4 là, génial. Bon, allez. C'est parti. Voilà, Air Force. Ce qui est chiant, c'est qu'à chaque fois, je suis obligé de me rééquiper. Maintenant, faut que j'aille chercher un hélico. Ou en avion, ouais, ça ira plus vite en avion. Je vais prendre le. Mince. Oui. Je vais prendre l'avion d'attaque. Enfin, pas l'avion d'attaque. On peut pas l'acheter. Ça, c'est vraiment dommage qu'on puisse pas l'acheter, l'avion d'attaque militaire. Celui qui envoie des. Qui a une mitrailleuse et des lance-missiles.
Le seul qu'on puisse acheter, je crois, c'est le Bezra. Bestra. Bon, je vais y aller avec ça, ça sera plus discret. All right, let's get this bad boy in the van, huh? Weapon on the floor, now. J'ai rien fait. Back away, or we will open fire. J'ai rien fait. Du moins encore. Alors, comme quoi les poulets, ils les aiment vraiment pas, eux. Bah d'habitude, en fait, ça... D'habitude, je suis niveau 3 quand je pute un flic. Ah merde, le véhicule va exploser à côté de moi, faut que je fasse gaffe. Je me suis déjà fait avoir quand même. Ah, ouais, bah non. Ah, je me suis fait troller, comme on pourrait dire. Ah, comment je pue le seum. Je m'amuse. Dis-moi que je suis pas obligé d'aller les racheter. Oh, Dieu merci, j'en ai deux. Ah bah, secours et... C'est pour ça. J'avais jamais compris pourquoi quand j'allais au... Merci. Pourquoi quand j'allais au Mont Chilia... Quand j'y allais, bah en fait, ça m'affichait que j'avais deux parachutes. La vie a du sens. Alors ce véhicule-là, qui se trouve derrière moi, je vous promets que vous pouvez vous éclater avec. Il est hyper solide. Dans une prochaine vidéo, ouais, je crois que je vous montrerai celui que j'ai fait. Ça paraît pas, mais c'est vachement solide. Ah, je crois que c'était pas celui-là que j'ai amélioré. Je veux dire, il est pas solide. Et je sais pas pourquoi, avec ce véhicule-là, moi, en tout cas, j'ai un bug. Quand je rentre dans un stand pour améliorer des véhicules, et ben, aïe, et ben, je ne paye pas pour l'améliorer. Enfin, pour le réparer, puisque j'arrive en général, le véhicule est tout cassé. Donc celui-là, je paye pas, je sais pas pourquoi. Peut-être j'ai un bon de réduction. Est-ce que c'est traduit pourri, là? Je préfère ça, moi. Je rigole. Ah, je kiffe cette musique. J'adore Dior. Alors si quelqu'un qui regarde cette vidéo a déjà sur sa PS4, il me semble, vous avez fait le truc, j'en ai déjà entendu parler, j'ai jamais essayé justement, je voudrais savoir si ça marche bien. C'est, il me semble que, je sais pas comment on fait, mais on télécharge un truc qui permet d'avoir de l'argent illimité dans GTA. Mais faudrait me... C'est ce qu'on m'a dit, mais je suis pas sûr. Ouvre-moi, bâtard. Est-ce que ce véhicule est la con que j'ai pris là? Améliorer les coups, mais sans. Allez, je suis presque. Oula! Alors, au bar. Oula, c'est pas passé loin. C'est quel véhicule de sorte? C'est le bon véhicule. Pardon. C'est celui-là que je parlais, le véhicule militaire. Je prends celui-là parce que c'est beaucoup, c'est plus rapide au décollage. Et c'est plus rapide... Enfin, je crois hein, que c'est le plus rapide après pour avancer en l'air. Le démarrage est tellement rapide. On va s'arrêter. Je sais pas ce que ça fait. Ah d'accord, on a vu le décollage qu'il va faire. Ah d'accord. Bon.
Là, faut jouer tout au long de la map. C'est parti. Il a un masque. J'ai quand même une petite impression que le code ne permet pas d'aller au maximum en haut. Là, je suis beaucoup plus haut qu'avec le code. Ah ouais, c'est beaucoup plus facile à contrôler là. C'est pas en mode troisième première personne, c'est beaucoup mieux fait par contre du coup. Ah ouais, je vais beaucoup plus haut là. Je suis en train de réaliser que j'ai oublié d'enlever le code de faible gravité, c'est peut-être pour ça aussi. Je vais l'enlever. Ok, je peux pas l'enlever. Ouais, la gravité lunaire aussi qui fait. Ah mince, allez. J'ai pris mes deux bombes là. Parachute de secours là, sympa. Au moins le truc sympa c'est que du coup quand je l'achète j'ai pas besoin de le remettre sur chaque parachute. Mince. Ok, c'est bon, il était désactivé. Ouais, en fait, le code lunaire, il est nul. J'aime pas les keufs. Oh, dans les yocs. Il a fallu qu'ils se mettent devant l'avion que je voulais piquer. Alors, à mon avis, cet avion va pas décoller très vite. Allez, mec, ton cul, t'es pas au courant que t'as les flics au cul? La rapidité, je vais à 1000 km/h. Attention, du passage de la vitesse du son. Quel con. Même il y a une fille qui me rattrape. Ah, ça y est. Enfin. C'est quoi cet avion en plastique là? Il avance pas? Une fois, j'avais touché un tout petit peu trop fort par terre. Et au bout d'un moment, il commence à fumer. Ah bah voilà, c'est un peu. Les filles qui font n'importe quoi. Ouais. Putain, j'en ai marre, ça paye cher. C'est comme un con, j'ai acheté le cinéma. J'en ai pour 10 millions, arrivé là, les revenus c'était que 138 000 dollars par semaine. C'est pas rentable en fait. Donc là, acheter aucun cinéma. Bon bah, je pense que c'est la fin de la vidéo. Hein. Salut à tous.